Inscrit sous le thème de zéro grossesse à l'école, cette campagne a pour objectif de faire état du nombre de grossesses, de sensibiliser les parents et enfin d'informer les populations sur les mesures prises par les autorités compétentes pour punir ceux qui se rendront coupables de ces fléaux. Marie-Reine Ogou, la directrice régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, a dans son adresse indiqué que sur le plan national, 5076 cas de grossesse ont été enregistrés. Ainsi, pour la région de l'Ifou, 236 cas de grossesse ont été enregistrés depuis 2012. C'est face à ce triste bilan que la directrice régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique a décidé de lutter afin de réaliser le vœu de la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Camara, qui est de zéro grossesse à l'école. Elle a par ailleurs interpellé la population à protéger la jeune fille à travers un message fort avant de rappeler que des mesures ont été prises pour punir les coupables. Le préfet de région, préfet de Daoukro, Albert Kofi Akbélé, quant à lui, a rappelé les efforts du gouvernement à faire de l'école ivoirienne une réalité à travers le PND, Programme National de Développement. C'est pourquoi, selon lui, aucun acte comme le mariage précoce, les grossesses en milieu scolaire, ne devrait annihiler les efforts du gouvernement. Pour ce faire, il invite les populations à une prise de conscience afin de sauver l'école ivoirienne.